Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau pour une toute nouvelle vidéo expérience sociale avec mon ami. Yo la team, c'est Sav, ça ou quoi? Japan Sav représente, ça y est, déterminé les vidéos expérience des terres, on va pas lâcher. Je suis avec le frérot Giovanni, donc aujourd'hui pas de magie frérot. Non, on va pas jouer aujourd'hui, pas aujourd'hui. L'aveugle. Donc explique la petite histoire avant de commencer la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton oncle malheureusement? En gros, j'ai un oncle qui est aveugle de naissance. Et du coup, le problème c'est que quand t'es aveugle, pour le moindre petit truc, on te discrimine, on te juge, on t'insulte. Mon oncle, juste parce qu'il demande son chemin, on lui dit vas-y, sale handicapé, casse-toi de là. Ah, malheureusement, il y a beaucoup de discrimination, que ce soit même pour les handicapés. D'ailleurs, Japan Sav a sorti une vidéo agresser un handicapé dans laquelle j'apparais. Elle sortira en même temps que celle que je suis en train de tourner en description, en commentaire épinglé. Donc voilà frérot, malheureusement ce qui est arrivé à ton oncle, ça peut arriver dans la vie de tous les jours. Malheureusement. On va voir aujourd'hui, on va faire plusieurs scènes, voir si les gens vont être réceptif par rapport à une agression d'une personne qui est malvoyante ou tout simplement s'ils vont fuir. On va aller voir ça directement en direct. Pour cette vidéo, je remercie Fred Gontal, ça fait super plaisir. Je remercie Bilal Darwesh et Ali Bounou qui nous a accompagnés. Même merci. Le caméraman aussi, frérot, ton prénom? T'as une chaîne YouTube? Instagram, voilà, il y aura l'Instagram du Thomas. Caméraman en description. Il y aura tout. Thomas sur Insta, vous allez tomber sur 100 Thomas, trouvez le bon. Voilà, essayez de trouver le bon. Pas, on se trouve pour la vidéo. C'est parti pour la vidéo, let's go, peace. Ouais Greg, c'est Farid, ça va? Ouais, je suis au niveau du pont d'Avignon là. Ok. Ouais, je suis au niveau du pont d'Avignon, ouais. D'accord, ok. Place de l'horloge, je peux arriver dans combien de temps? Mais 10 minutes? Ouais, dans 10 minutes, ouais. Ouais. Aucune réaction, putain, c'est dingue. Attends deux secondes, raccroche pas. Monsieur, il est avec vous, madame? Non. Il est avec vous? Non. Non. Je crois que c'est une personne non-voyante. Je sais pas. Monsieur, vous êtes perdu? Je cherche pas, il est pas. Ah ben, on doit y aller, je vais vous y amener, il n'y a pas de souci. Vas-y, venez. Donc là on vient d'assister à une scène vraiment choquante. Il a joué deux situations, la première il a failli semblant de tomber pour voir si la dame, je pense qu'elle a pas vu. Et par contre la deuxième, voilà, t'as essayé de demander s'il y avait une personne autour de toi. Elle t'a vu, elle t'a bien entendu mais elle n'a pas répondu. Donc voilà des scènes qui arrivent, si vraiment ça aurait été une personne aveugle, moi je trouve ça inadmissible. Là j'aurais pu crever. Ouais, je trouve ça vraiment inadmissible frérot, donc on va continuer pour la suite, c'est parti. Je cherche le paille des papes. On te l'a dit tout à l'heure, tu nous as demandé déjà. On vous l'a déjà dit tout à l'heure. Oui, mais je vois pas quand vous dites. Non, mais écoute, je vois rien. Moi, j'ai. Monsieur, vous entendez? Vous êtes aveugle, mais vous entendez? Oui. J'ai rien contre les handicapés ni contre les aveugles, mais ça fait deux fois que vous me demandez. Là, honnêtement, ça commence à. Monsieur, si vous êtes malvoyant, promenez-vous avec un chien ou avec une personne qui vous accompagne. Faites pas chier le monde à demander 50 000 fois les questions. Mais je vais pas lui assister. Je suis aveugle, je suis pas non plus. Monstre. Ben, je sais pas. Ben, restez chez vous dans ce cas. Ouais. Faites pas chier le monde. Continuez tout droit, 25 mètres, vous arrivez au milieu. Ça marche, merci madame. Bah, elles sont gentilles, monsieur. Il n'y a pas de gentil. Il n'y a pas de gentil. Madame, vous êtes d'accord, c'est vous. Il fait chier le monde. C'est quoi? C'est un. Comment? Non, mais ils font. C'est pas grave. Si, en fait, il y en a tout le temps que pour les handicapés, les aveugles. Moi, je trouve ça inadmissible. Tout le temps, les handicapés, les aveugles, c'est tout le temps la même chose. Il faut être sans pitié avec eux. Il faut être sans pitié avec eux. Attends, je vais lui montrer le chemin. Non. Ça ne coûte rien d'être gentil 3 minutes. Non, mais tout à l'heure, ça fait 3 questions qu'il nous pose, c'est en train de nous faire chier là. Alors, moi, il va là-bas. C'est bon. Tout à l'heure, il cherche le palais. Ouais. À se rendre il est en train de faire chier le monde là, c'est. Ça va, tu vas bien? Bon après-midi. Merci, vous aussi. Ah ouais, ça calme, monsieur. Tu peux passer avant vous? De quoi? Tu peux passer avant vous? Mais pourquoi tu veux passer avant nous? Je suis handicapé et j'ai le. Non mais madame, il est aveugle, handicapé, je sais pas ce qu'il est, mais il fait chier tout le monde depuis tout à l'heure. Il est même au palais des papes, si. Il y en a que pour les aveugles et les handicapés. Mais c'est pas parce que vous avez une. Mais regarde en plus que. Mais il met des coups comme ça, bénef, moi ça me gâte. Allez hop, va là-bas. Non, c'est en train de m'énerver ça. C'est en train de m'énerver, c'est bon. Non mais il est aveugle, les gens aveugles ils se croient tout permis, moi j'en ai plus cassé. Viens, j'en ai plus cassé. Merci. Non, c'est. Moi, les gens comme ça, c'est les gens qui prennent pour des cons. Non, ça, je supporte pas ça. Vous prenez les gens pour des cons, monsieur. On y va.
a très bien réagi, c'est une petite caméra cachée, il y a une personne qui filme là, une personne qui filme ici. Bravo, vraiment bravo. Je vais vous serrer la main, je vous serre la main. Franchement super, on fait un check. Vous avez une réaction formidable, vraiment formidable. Vous méritez que je vous offre moi une glace. Voilà. Franchement, c'est magnifique. Ouais, il fait très bien l'aveugle. On a eu peur, on était choqués, quoi. C'est une vraie situation qui arrivait à son oncle, malheureusement, qui s'est fait discriminer, que ce soit dans le bus ou en allant retirer de l'argent, qui s'est même frappé. Il a décidé de refaire une mise en scène pour voilà, justement dire stop à tout ce qui est racisme. Ah ouais. Et vous avez été génial, franchement. Ouais. T'as pas compris ou quoi? Les gars, non, laissez-moi, hein? Les gars, laissez-moi. De quoi? Les gars, non, laissez-moi, les gars, laissez-moi. T'as l'air, on lui a dit d'arrêter de nous suivre encore. Arrêtez. T'es sérieux ou quoi? Ah, c'est pas parce que t'es aveugle que t'es sérieux ou quoi? Tu crois qu'on va avoir de la pitié pour toi? Mais c'est un malade ce mec. Ouais, le gars, il est aveugle, il se croit tout permis. Vas-y, laisse-le par terre, ta canne, regarde ce que j'en fais, mon gars. Vas-y, va la chercher maintenant. Putain, le gars, il est aveugle, il se croit tout permis. C'est un truc de fou ça. Il y en a que pour les handicapés, les aveugles. Putain. Putain, c'est un truc de fou ça. Monsieur, restez, vous êtes malvoyant, vous restez chez vous, hein. Mais monsieur, c'est pas parce que je suis malvoyant que ça y est, je suis un monstre. Eh ben restez chez vous, sortez pas de chez vous, faites pas chez le monde. Il a le droit de sortir quand même. Comment? Il a le droit de sortir. Eh ben il sort avec un chien ou avec une personne accompagnée, ah, comme les vrais aveugles. Il faut avoir les moyens ou s'il a pas un chien comme... Eh ben reste chez lui, fais pas chez le monde, ou alors voilà, il, je sais pas, mais... Place de l'horloge, c'est là. C'est ça, hein? Bah c'est juste la place de l'horloge qui va se pas chez le monde, là. Le monsieur, il est aveugle, il se croit tout permis, ça y est. Ouais, il nous pose des questions, il dit, messieurs, aidez-moi, il nous prend le bras comme ça, aidez-moi, je cherche le palais des papes, la place de l'horloge. Il nous suit depuis tout à l'heure, donc c'est bon, c'est au bout d'un moment... Monsieur, au bout d'un moment, démerdez-vous, appelez quelqu'un, un membre, vous avez un téléphone sur vous, appelez quelqu'un, je sais pas. Viens, on le laisse. Hein? C'est bon, viens, on le laisse, frère, on y va. Oh, démerdez-vous. Messieurs, dames, j'aimerais vous remercier. C'est une caméra cachée. Il y a une personne qui filme là, une personne là. Vous avez très très bien réagi. Franchement, super. Merci beaucoup. On a décidé aujourd'hui de jouer un peu les méchants, pour voir si les gens allaient réagir. C'est un cascadeur, donc voilà, il fait des cascades. Je suis acrobate aussi. C'est ça, exactement. Ouais. En tout cas, vous avez très très bien réagi, contrairement à d'autres personnes qui ont préféré fuir la situation, comme tout à l'heure. Donc merci à vous, tout simplement. Ah, excuse-moi. Non, mais je te parle. Je te parle, tu te fous la gueule des gens. Ça va, laisse-moi tranquille. Tu te fous la gueule des gens. T'as dit quoi? Tu te fous la gueule des gens. Tu te fous de la gueule des gens, quoi. Oui. C'est un malade, ce gars. Qu'est-ce que c'est, ça? Il se fout de la gueule des gens, quoi. Il se fout de la gueule des gens, quoi. Pourquoi? De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? De quoi? C'est un malade. Ah, le mec, il est aveugle, il se croit tout permis. C'est un fou. Il est aveugle, il se croit tout permis. Ça y est, il y en a que pour les handicapés, les aveugles maintenant. Putain. Le gars, il est aveugle, il se croit tout permis. Il se croit tout permis. Et alors? Et alors? C'est un malade, ce mec. T'es un peu ouf, toi. Cassez-vous. Putain, c'est grave, ça. C'est vous qui l'êtes, malade. Le mec, ça y est, il est aveugle là, c'est bon. Mais vous êtes fada, non? C'est lui qui est fada, ça y est, monsieur est non-voyant, il se croit tout permis, il vient nous faire chier là. Ça fait trois fois, gros, trois fois. De quoi? Putain. Trois fois, il vient nous demander de l'argent, il vient nous demander des renseignements, trois fois. Au bout d'un moment, c'est bon, il faut arrêter de faire chier le monde. Putain, c'est un truc de fou. Hein. C'est pas vite ce que vous avez fait comme geste, non? Monsieur, c'est une caméra cachée, il est acteur. On est complice, merci beaucoup. C'est une caméra cachée, il est acteur, il est cascadeur, monsieur, merci beaucoup d'avoir réagi. Attends, je vais le checker. Franchement, frérot, je vais te checker parce que... Là, je suis obligé de te checker, frère. Merci beaucoup, franchement, t'as été au top, gros. T'as été au top. Heureusement que t'es intervenu. Donc là, les amis, on continue les scènes. Scène un peu hardcore, mais on n'a pas le choix pour réveiller les consciences, malheureusement. Donc voilà, n'oubliez pas que c'est un cascadeur. Voilà, il subit. Ça va le ventre? J'ai senti ton estomac tout à l'heure quand j'ai mis le coup de pied. C'est les abdos. Ça va, on va continuer encore deux scènes, frérot. Et pour ces deux scènes, rien d'autre que mon ami Benji. Donc voilà, petite présentation vite fait. Du coup, t'as ton TikTok, Instagram. Voilà, TikTok, Insta, Benjamin Cita sur Insta, Benjamin Cita sur TikTok aussi. Il fait de l'acting, pardon, il est exceptionnel. Pour toutes les personnes qui souhaitent faire des tournages, courts-métrages, etc., il y aura ton description sur Instagram juste là. N'hésitez pas à l'ajouter, il est célibataire aussi. Donc voilà, on continue, peace. C'est vrai qu'il y a le poste, le bus? Ah, regarde, il y a le panneau qui est juste là. Mais les gars, je vois pas.
Il passe demain. Bah, je sais pas, tu regardes, tu demandes aux gens, ne me casse pas les couilles. Ah, je passe le dernier. Ou... Bah, j'en sais rien, mais. Juste, tu me dis les horaires, c'est tout. Mais je sais pas, tu regardes sur le truc, je sais pas, il y a tout ce qui est écrit là, ne me casse pas les couilles. Mais je vois pas, les gars, j'y vois pas. Pas de s'il vous plaît, juste. Arrêtez, il y a un truc qui est juste là, pourquoi tu me fais chier comme ça? Mais les gars, je vois rien! Et alors? Il y a des gens qui sont juste là, demandez-le ou vous faites pas chier à nous? Non, mais il fait chier tout le monde. Bah, ouais, je sais, mais il y a que regarder là, je sais pas. Ouais, vous êtes tout seul, accompagnez-vous de quelqu'un la prochaine fois, faites pas chier le monde. Ah ouais? C'est pas vrai, ça. C'est quoi? Je sais pas, on est handicapé, on se connaît des mains, ça y est, on est juge. Bah, vous faites chier tout le monde, les handicapés, ouais, tout simplement. Vous faites chez tout le monde, vous êtes handicapé aveugle, je sais pas quoi, mais voilà, vous. Quand vous prenez le bus déjà. Pour rentrer chez moi? Eh ben vous appelez quelqu'un qui va vous chercher en voiture, je sais pas, arrête de faire chez le monde. Je suis handicapé, pas assisté, c'est pas pareil, il faut faire différent, fait. Bah si c'est exactement pareil. Assisté, mais pas d'être sinon. Les gens sont handicapés, ils se croient tout permis, tout simplement. C'est ça. Le monsieur est aveugle, il se croit tout permis. Voilà, c'est. Regardez ça, est-ce que vous trouvez ça normal? Vous êtes au milieu de la route. Vous êtes au milieu de la route, il y a un bus, mettez-vous ici, vous mettez ici comme ça, vous prenez. Non mais mettez-vous ici, vous mettez ici comme ça, vous prenez. Non mais c'est quand même exceptionnel ça. Non mais c'est quand même. Moi je supporte plus ça. Monsieur aveugle, il se croit tout permis, ça y est. C'est quand même exceptionnel ça, le. Hein? Mais alors? C'est trop ouf. Mais et alors il... C'est pas ouf, quoi? C'est quoi le problème? Il parle vous. Il demande depuis tout à l'heure. Touche pas. Non mais ça fait quoi alors si je le touche? Je prends sa casquette, je vais ici. Non mais ça va faire quoi? Non, je ne me calme pas. Non mais ça va faire quoi? Laissez tranquille, déjà. Vous laissez. Les handicapés, les aveugles se croient tout permis, ça y est, c'est quoi ça? Elle est où sa casquette? C'est quelque chose d'incroyable. Parlez-vous parce que je. S'il est aveugle, il se promène avec un chien ou avec une personne, il fait pas chier le monde là à poser des questions. Non, je me barre pas, j'attends le bus. Toi, barre-toi, tu es là-bas déjà, quand t'es là-bas. C'est bon, vous avez exprimé, c'est bon. Bah, ça y est, qu'il nous fasse pas chier, c'est bon, on va de ton côté. Mesdames, c'est une caméra cachée, il est acteur. Il y a une personne qui vient derrière, on est tous complices, vous avez une réaction remarquable, je voulais vous remercier. Vous êtes des femmes, vous êtes quand même venus malgré qu'on soit trois hommes, vous êtes venus vers nous pour nous stopper, c'est magnifique. Les hommes qui étaient juste derrière n'ont pas bougé, franchement respect, vraiment respect. Son nom a été agressé. Il est pourri s'il est aveugle. Son nom a été agressé. C'est débile. C'est tellement possible qu'un bel réaction. Je ne cherche pas pour téléphone. Malheureusement, son nom est vraiment aveugle. Il a été dépouillé il n'y a pas longtemps. Il a fini à l'hôpital en UTT. Et avec son autorisation, on a décidé de refaire la même scène pour voir si les gens allaient. Vous avez été au top. Super, merci à vous. Voilà. Passez une bonne journée, on ne vous dérange pas plus. Donc les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que l'expérience vous aura plu, donc vraiment, j'ai été navré. Il y a des personnes qui n'ont pas réagi, tout simplement elles ont préféré fuir la situation, donc on a des hypothèses. Soit les personnes voient qu'on est des jeunes, etc., donc ils préfèrent fuir, ou soit tout simplement, ils préfèrent pas se mêler. Donc toi, Japan Sab, t'en penses quoi du coup? Moi j'en pense que les gens, ils devraient aider plus, tu vois. Parce qu'il y en a, ils ont peur, après, c'est normal. Moi je comprends quand ils voient des gars de quartier cité. Ouais. Moi je trouve on fait pas trop cité, frère. Ah gros, non, casquette à l'envers, truc au gif. Ouais, mais vite fait, frère, ça va. C'est vrai. Donc moi je pense que ça va, il y en a pas mal qui ont réagi, mais ouais. Après qu'on soit parti, genre dans la foulée, ils viennent pas en durée. Ouais, ils ont. Genre ils viennent vite fait, ils ont peur. Il y a eu quelques courageux. Dès que vous partez, ils viennent direct sur moi. Voilà, tu vois, ouais. Genre, quelques courageux, mais je pense que si on vient en mode. On veut envoyer des patates, ouais, ça part. C'est mort. Donc dites-nous dans les commentaires comment vous aurez réagi vous. Et puis je remercie les personnes qui ont intervenu durant toute la vidéo, ça fait super plaisir, heureusement qu'il y a des gens comme ça, un corps sur terre, ça fait grave plaisir. Ajoutez-le sur Instagram, je remercie Japan Sub. Pour de prochains challenges, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires avec grand plaisir. Voilà. Sur ce, c'était l'équipe. Maximum de likes, encore 20 000 les gars, 20 000 likes. Ceux qui sont vers la fin, commentez le mot suprême. La sacoche, les gars. On verra si les gens sont là. Allez, à la prochaine. Allez, salut.